Now I invite Secretary General Hussein Ibrahim Taha to say a few words. He will be speaking in French and will be translated by his colleague there. It's working. Okay. Just press this one. Just press this one. Mesdames, je veux parler en français. Mesdames, messieurs, messieurs les journalistes, vous êtes venus si nombreux pour nous écouter ce soir. Je pense que l'événement en vaut le coup d'être présent pour écouter, parce que je voudrais en réalité sincèrement adresser mes félicitations à monsieur le ministre Rachi pour tout ce qu'il a fait. C'est la réussite de cette journée bien rempli aujourd'hui, c'est bien l'œuvre du ministre des Affaires étrangères de votre pays. Ladies and gentlemen, I would like first of all to thank you for your attendance. I know that the interest that you have demonstrated towards this event, which is worthy of everybody's attention. I would like, first of all, to express my profound thanks to His Excellency Mr. Qureshi, without whose efforts we would not have been able to achieve full success for this great event. Cette conférence d'une journée a donné plein d'espoir, je suis sûr, au-delà des frontières. Les frères afghans qui sont en train de nous suivre, cette importante conférence, ont dû se dire, enfin, il y a quelque chose qui s'est fait pour nous. Et cette réunion est la preuve qu'elle a abouti à des résultats bien précieux. Donc je voudrais encore une fois de plus renouveler mes remerciements à tous les personnels des différents qui ont assisté au travail pour organiser cette réunion, et à tout le monde, et à monsieur le ministre surtout, de le remercier une fois de plus pour tout ce qui a été fait. This conference has been only no more than a one-day conference, but it has been such an important conference and has had an impact beyond its geographical limitations. I would like to, and I am sure that our Afghani brothers and sisters are following the event and have had a new hope that something at last is being done for their benefit. This is why I would like to once again express my profound thanks to His Excellency Mr. Qureshi and to all the organizers of this event that worked 24 hours a day to ensure the success of this event. C'est un réel succès, parce que à la fin de la réunion, on a assisté à plusieurs interventions de la Banque mondiale, enfin des différents groupes qui sont là et qui peuvent nous aider, les Européens, les Américains, les Anglais. Tous ont pris, leurs représentants ont pris la parole pour soutenir cette réunion, pour annoncer qu'ils pourront faire des gestes pour aider nos frères afghans. Et donc nous pensons que ça a été un grand succès, que le peuple afghan peut garder l'espoir, que nous sommes leurs frères, que le CI travaille pour cela. Nous allons nous mettre. Nous avons pu nommer un envoyé spécial de l'OCI pour l'Afghanistan. Tout ça va contribuer, je pense, à alléger tous les problèmes, à alléger la peine de nos frères afghans qui traversent en ce moment, avec l'hiver, la situation doit être très difficile pour eux. Nous espérons que les choses vont s'accélérer. Au niveau de l'OCI, nous ferons tout. Nous contacterons tout le monde, nous verrons avec la BID, essayer d'encourager les gens à participer dans les fonds pour aider les populations afghanes qui nous attendent devant cette situation assez difficile. I'm sure that this event has been a real success. This is well demonstrated by the participants that came from all across the world. We have had participants such as the European Union and many other groups. From America, Britain,
France, they all came and represented their organizations and took active participation in the event and showed interest and even made pledges for the benefit of our brothers, the Afghani people, who have a reason now to live new hopes for the future. And we, as the OIC, we have done our best. We actually have established or set up a special envoy to represent the OIC in regarding the Afghani affair. And this has given reason for the Afghani people to feel greater hopes for the future, especially that now we are going towards the winter season, and we will do everything to alleviate their situation. Tout à l'heure, j'avais cité l'envoyé spécial, mais à côté de cela, il y a d'autres succès aussi qui ont été adoptés lors de cette conférence. C'est l'habit qui ouvre un compte, la Banque islamique de développement qui se connaît dans l'aide humanitaire, va ouvrir un compte logé chez eux et encourager tous les pays du monde, les organisations, les pays, les personnalités, d'agir, de déposer dans les fonds qui sont loués pour ça. En outre, mention of the special envoy of the OIC to Afghanistan for this purpose, but I should not omit to mention that there have been other successes which came in the form of the involvement of the Islamic Development Bank that has opened a special account, a special fund for the benefit of Afghanistan. This will be used for services, for assistance to Afghanistan. And we are thankful to all the countries that will cooperate with the Islamic Development Bank and contribute donations, countries, organizations, and even individuals that have expressed readiness to make pledges and contribute to this special fund. Il y a aussi la décision qui a été prise dans ce, et c'est apparu dans la résolution que sous l'égide de l'Académie islamique internationale du Fiqh, qui est un organe de l'OCI, on va entrer en contact avec les groupes d'ulama, si possible, les ulama ad-din, pour voir comment ils peuvent déjà entrer en contact avec nos frères afghans, pour voir si on peut déjà amorcer une discussion avec eux à ce niveau-là. Donc je pense que c'est très important. Il y a les aides, c'est sûr, mais il y a aussi les contacts qui, pour la première fois, ça va être organisé par l'OCI. Et on espère que ça donnera des effets positifs. We have also involved one other branch of the OIC, which is the Islamic Fiqh Academy, who have proposed to set up and to reach out to the ulama body for them to seek to bring together the conflicting parties and establish a dialogue between them, such as to help promote action towards peace and stability in the country. This, I believe, is a positive aspect that needs also to be highlighted. Tout cela a été fait grâce à la décision des autorités de l'Arabie Saoudite et du Pakistan, qui nous ont permis de travailler ensemble, d'appeler le monde entier, les intéressés à cette situation grave qui sévit en Afghanistan. Mais je tiens personnellement à remercier l'Arabie Saoudite pour cette idée, pour d'organiser cette conférence, et bien sûr le Pakistan, la République islamique du Pakistan. Je voudrais leur rendre un hommage particulier en tant que secrétaire général de l'OCI pour avoir l'idée d'organiser cette réunion et d'apprêter les contacts et les aides. En ce moment où on parle, il y a plusieurs vols humanitaires qui ont été envoyés par l'Arabie saoudite vers l'Afghanistan.
Donc nous pensons qu'il y a des choses concrètes qui ont été faites et la République, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique de Pakistan doivent être félicités, remerciés en fait partout le monde. In fact, if I have said all this, I should say that the credit goes to the Islamic Republic of Pakistan and to the Kingdom of Saudi Arabia, both of whom thought about convening this event and allowed us to work wholeheartedly such as to achieve the successes that we have attained. Therefore, I personally, as Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, would like to reiterate our deep thanks to the Kingdom of Saudi Arabia and to the Islamic Republic of Pakistan for having helped us achieve such concrete measures for the benefit of our brothers in Afghanistan. Cette conférence qui s'est tenue hier, aujourd'hui, hein, et depuis hier, elle a un peu commencé. Je pense que nous pensons, et les observateurs pensent que c'est la plus grande conférence qui ne s'est jamais tenue de cette façon sur le problème afghan. Parce que ça fait 40 ans que l'OCI, que les pays musulmans se réunissent. Mais cette réunion, cette conférence qui s'est déroulée aujourd'hui, je crois que c'est la plus importante et je crois qu'elle aura... des succès palpables dans les jours qui suivent. As a matter of fact, this conference that has taken place today, and that started actually yesterday, therefore over 2 days, has been one of the greatest events ever. For, as we note, the sufferings of the Afghani people has been ongoing for the last 40 years, and many people agree that this event has been of greatest importance and may give us hope for better future for on this ground. And this has been the greatest event ever with regard to the Afghani issue.